Ok, la communauté. Déjà, la communauté, rejoignez les gars. On est bientôt 400 dessus. On est bientôt 400 dessus. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été postés? 21h, hein. Bon, les gars, je suis toujours un peu en retard, vous me connaissez. Un cœur qui clutch la soirée, c'est chaud. Ça, j'ai pas vu. D'ailleurs, les gars, profitez de la communauté pour partager des trucs, parler entre vous, etc. C'est pas que des montages de moi et tout, hein. C'est ça que ça sert à la communauté Twitter. C'est pour partager des trucs, comme des vidéos comme ça, donner vos avis sur des trucs et tout, hein. Vraiment, hein. Profitez-en. Du coup, c'est quoi cette vidéo? Les femmes, c'est trop des sorcières. Un monsieur qui vient me voir. Il me dit, voilà, docteur, je m'endors devant la télé. Il a vu ma tête à la télé et s'endort devant la télé. J'ai dit, écoutez, moi aussi. Il dit, oui, mais non, moi, je m'endors et j'aimerais faire 4, 5, 6 heures du matin, je suis vaseux toute la matinée. L'après-midi, ça va. Il dit, ça vous arrive tous les jours? Non, non, seulement certains jours. Bon, et là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Je lui demande comment est son chauffage, parce que la première chose à laquelle je pense, c'est une intoxication au monoxyde de carbone. Mmh. Avec un chauffage qui s'arrête, tu vois, l'intoxication ne monte pas trop, mmh. C'est quelqu'un qui est... C'est quoi l'histoire avec la meuf? À voir. Il me dit, non, non, mon chauffage est électrique. Ça, un chauffage électrique, ça ne donne pas de monoxyde de carbone, il faut une flamme pour avoir de monoxyde. Donc, ce n'est pas ça. Et alors, je me dis, bon, bah, c'est la bouffe. Hein. Il a quelque chose dans sa bouffe qui ne lui va pas. Et je lui dis, votre femme, elle a la même chose que vous? Non. Vivez à combien à la maison? Ben, nous sommes trois, il y a ma femme, il y a moi. Et un autre bébé qui a 2 mois. Oui. Ouais. Et votre femme, rien? Non. Ah. Qu'est-ce que vous mangez que votre femme ne mange pas? Ah bon, on mange la même chose? Qui c'est qui fait à manger? C'est ma femme. Il n'y a vraiment rien que vous prenez qu'elle ne prend pas? Ben, si je bois un café tous les soirs. Eh ben, vous allez me prélever du café. Je lui donne 7 pots. Toute la semaine, quoi. Discrètement? Oui, discret. Des pots urines, tu vois, c'est des pots avec des capuchons rouges. Ouais, je vois très bien. Stérile. Elle a empoisonné? Dans ce cas-ci, c'était pas utile. Vous versez du café. C'est dingue cette bois, vidéo. Vraiment, ah ouais? Versez du café. Elle est intéressante cette vidéo? Un par jour, lundi, mardi, mercredi. Et vous allez mettre une croix sur le pot où vous êtes endormi. Vous croyez que ma femme dit, je ne crois rien du tout, vous n'allez rien lui dire, et vous allez surtout cacher vos pots, elle ne doit pas les trouver, ça va? Elle ne doit pas les voir. Même quand vous endormez, elle ne doit pas les voir. Il est planqué sous le fauteuil. C'est un fauteuil avec des franges. Donc, vous voyez pas. Et pas de blague, hein, tout ça, on l'a calibré. Incroyable. Et les jours où il s'endormait, ben, j'ai trouvé des taux de Valium, c'est une benzodiazépine, qui était de quoi assommer un cheval. Oh là, ouais. Elle, mais pourquoi faire? Ah ben parce qu'elle avait un amant. Est-ce... Ouais, oh la pute! Oh la salope, le chat! C'est une grosse salope! Alors ça, on appelle ça une grosse chienne, hein. excusez-moi du langage un peu familier, les amis. C'est une pute. Sortait le soir? Non. L'amant venait, il ne voulait pas laisser son bébé tout seul. Donc le mari ronflait, l'amant venait, il faisait leur affaire, et puis il se barrait avant que le mari ne se réveille. Non, il baisait dans le lit conjugal. Non, ça c'est une folie, ça. Ça, faut vraiment avoir aucune âme pour faire des trucs pareils. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi, au lieu de divorcer, putain, oh mon Dieu. T'es une pute comme ton frère, fils de pute. Bon, à votre avis, qu'est-ce que j'avais tweet? J'avais tweet que je priais que l'Algérie perde. Bon, ça va, je mérite pas autant d'insultes pour juste ça, quand même. Et mon frère qui prend une balle. Mon frère qui prend une balle. Mon frère, il est tranquille, il a rien fait, frère. Il se prend une balle. Saint Mangala, merci pour le 7e mois. Merci pour le tiers 1, merci pour le 70-30, mon gars. Il comprend rien, lui. Sénégal, rec! Sénégal rec. Les gars, il va falloir faire une vidéo aussi de ce live. Hein. Je crois que c'est le jeu d'or où j'ai eu le plus super de toute ma vie. Hein. Mec, il y a au moins 10 clips où je fais tomber mon écran, frère. Wesh. Wesh. C'est quoi cette ambiance, là? Ah. Oh, putain, 2m01, frère. 2m01. 2m01. C'est quoi cette histoire? C'est qui ce mec là? C'est pas moi. Hein. En live, la semaine mars. Alors, 7 mars, Cédric Doumbé Vesbaki. 8 mars, Joshua Nganou. 9 mars, Poirier vs Saint-Denis. Les gars, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais aller à mon premier événement de MMA de toute ma vie et ça sera Cédric Doumbé Vesbaki. La vie, je vais y aller, je vais aller dans les places les plus chères qui existent. Je rigole même pas. Ah, je rigole même pas, je vais prendre les places les plus chères qui existent.
Voilà, là j'attends que les revendeurs ils chient un peu dessus. Et voilà. En plus, j'ai un contact là-bas, donc il pourra me faire descendre. Ces soldats. Ouais, j'ai un contact qui est un mec qui travaille là-bas. Donc ça va. J'ai un mec que je connais qui travaille là-bas. T'as comment? Avec, je vais y aller avec mon frère et mon grand frère. Salut les épicurieuses et les... Gagner au casino, quelles sont nos chances? Écoutez, les amis. Les amis. Moi, je suis allé au casino au Maroc. J'ai braqué le casino. Donc, qui me parle de chance, là, Jamy? Moi, je l'ai braqué, moi, le casino. Je l'ai braqué. Je suis arrivé dans le casino, je lui ai fait du sale. Donc, ça, c'est une mentalité perdante, ça. Ça, c'est une mentalité perdante, je n'ai même pas regardé la vidéo, frère. Vraiment. Ok, attends, Reddit. Ah, regardez le Reddit aussi. Rejoignez le Reddit, le chat. Rejoignez le Reddit, ceux qui ne l'ont pas rejoint. Je vais aller regarder les posts, vite fait. Alors, Melchior saison 1 trailer. Ok, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Très prochainement sur Netflix. Ouais, c'est quoi ça? Melchior Scammer Story, d'après une histoire vraie. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme dont le destin tragique fut changé à tout jamais. Wesh! Cet homme paraissait si simple et profitait de sa vie de famille, de ses amis. Ne doutez pas de ce qui allait lui arriver. Au fur et à mesure des jours, je me rendis compte que sa santé mentale se dégradait peu à peu. De plus en plus. Et le jour venait. Wesh, non. Non, arrête, Melchior, fais pas ça. Passe pas de l'autre côté, Melchior. Depuis ce jour, sa vie change. Après avoir rejoint la secte des proies, je savais que son destin était déjà scellé. Arrête, Mathieu, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est quoi cette merde? Mathieu, je te reconnais plus. Mais les gars, je vous jure, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Très très beau montage. Faut vraiment être un taré pour faire des trucs comme ça, mais j'adore. J'adore. J'ai pacté. Eddie! Comment tu vas, Eddie? Ça va ou quoi? Eddie, wesh, tu dates, mon gars, ça va ou quoi? Hey, Eddie, la tête d'homme, viens, on joue au basket ensemble. On se fait une Hoops Factory ou quoi, quand tu veux. La vie, je rigole. J'ai trop envie de jouer au basket, là. En plus, il fait froid et tout, là, il faut qu'on... Ça va et toi, frère, ça va, hein? Ça va, hein? Je suis content que t'as enlevé le 1v1 YouTube lundi prochain, j'ai une session si tu veux, avec des potes. Tu joues le soir toi ou tu joues la journée? Tu joues la journée. h 22h. Il y a moyen que je te redis, parce que peut-être je vais live ce lundi, mais je suis grave chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, mais je suis grave chaud, je suis grave chaud. On avait joué 3 games. Eh frère, Eddie, dis-leur que notre 1v1 il vaut rien. On jouait sur deux. On jouait, le sol il était mouillé, t'étais en chaussettes, on glissait de zinzin. S'il te plaît, chef, dis-leur parce que il y en a dans le chat, ils pensent c'était le 1v1 de notre vie, frère. La vie? Il a gagné, hein, il a gagné. Moi j'ai. Tu sais, juste le sol il glissait, tout ça. Death de Gapi, merci pour le Prime. En plus, t'es sorti de confinement, j'étais un gros lard, je faisais 105 kilos. On jouait plus pour pas ne pas se tuer les genoux, vraiment. Mais frère, ça fait plaisir de te voir, en tout cas. Ça fait plaisir. Ok, on regarde. Mandela Catalogue, épisode 1. C'est qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous arrive? Ton chat veut que t'allumer. Non, mes frères, ils veulent trop m'éteindre. Zelda. Alors toi, je vais te ban du Reddit. Attention.
Attention. Voilà. C'est ça de traîner c'est souvent. C'est ça de traîner souvent à la cuisine. J'ai juré, son chat est plus gros que le mien. Voilà. C'est ça de traîner souvent à ouais, la cuisine. Ouais, je lui donne des briques à manger ou quoi, Ourti? Voilà. C'est brique au porc. C'est trop une dinguerie de flipper comme bah, ça. C'est qui, c'est qui, c'est qui? Oh, c'est qui, c'est qui? Eh, ce jeu, faut qu'on le refasse avec les autres. Eh, Lika, il a récupéré une cam en plus. Donc, on peut. Y a moyen, il va montrer sa ganache bientôt. Si Gare du Nord était une prod. BLM. BLM. Trop, c'est trop. Melgang, Melcure, Melcure TV. Mais Melgang, c'est pas moi, les gars! C'est un viewer. C'est quand la prochaine fois qu'il réagit au Reddit? Dinguerie de sucer comme ça. Est-ce que tu peux me follow, s'il te plaît? Je suis fan, tu es un exemple pour moi. Damn. Ce qu'écoutent les viewers des autres streamers vs nous. Mais pourquoi y'a des mecs qui twerk là? Quand tu DM la clique à l'inspecteur, y'a ce qu'il faut dans la barre, y'a toi leur faire peur, y'a ce qu'il faut dans la barre, y'a toi leur faire peur. Des viewers de Kumo. Hey, moi je trouve dans notre communauté on a des bons goûts musicaux. Les goûts sont bons. Il y a des bons goûts ici. Ok, mon avis sur le chat de Melchior. Gay, c'est gay. Chapeau, ah 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 ah. Melpoir W. Elle. T'es gay, toi. Et toi, tu cherches un garçon, toi. Il a compris que t'étais gay, va t'inquiète pas, va. Trois petits points. Mémel zéro. Ça doit être ça. Pêche. Booba. Ah là là. Très bon chat encore une fois. Venez, on le baisse, ça. Mais les gars, ce Renoir, j'en peux plus. Hier, j'ai vu un TikTok qui faisait cette danse-là en mangeant du poulet, les gars. Amadou. Regarde. Les gars, je vous jure, c'est même pas raciste de le dire, mais il se comporte comme un gorille. Casse les couilles, frère. Putain, il fait exprès. Je vous jure. Nana, merci pour le 9e mois. Les gars, faut qu'on l'attrape à 10 là et qu'on lui règle son compte, hein. On peut pas vanner les CM. C'est quoi les CM, les gars? C'est marocain? CM, ah, les Camerounais. On peut vanner les Camerounais, ce sont les pires. Je me suis fait frapper dans les toits de l'école juste parce que j'ai dit qu'ils allaient pas gagner à la CAN. J'ai même les vidéos. Bah, on voit la vidéo, mec. On veut te voir te faire tabasser. Mec, on veut te faire tabasser, mon gars. Récap des lives que j'avais plus aimé. Verchat, jure, il a fait un montage Verchat. Attends, on va voir. Je t'ai vu dans la salle d'arcade. T'as géré le taureau ou pas? Regarde tout le temps que j'ai pris à le faire, c'est pas chiant, promis. Merci pour le 5e mois de Prime, je vois pas de quoi tu parles. Ok, bref. Oh mon dieu! Wow! Ça gigote de fou! Vas-y, re-gigote là. Wesh, vous faites quoi là? Bon, écoute. Eh, ça date! Qu'est-ce que t'as à me montrer là? T'as quel âge? T'as quel âge? 7. Non, ah non, c'est pas moi. Toi, je vais te faire un boulot, toi.
Vous les pétez à la tête ou quoi? C'est fait mal cœur. Vous les pétez à la tête ou quoi? Y'a quoi là? Oh, gars. Je touche les pecs avant que tu meurs. C'est une question, c'est une question. T'es furie dans la vraie vie ou toi? C'est vrai? Oh, Drake! C'est vrai, sexuellement parlant, vous titrez pas moi. Ouais, les animaux ou les humains, genre? C'est d'autres furies humains, genre. Le front. Les gars, mes contours, ils avaient été un peu reculés à ce moment-là. T'es pas intéressé par les animaux? Non, mais j'ai une question. Les gars, parfois, il y a des contours qui... Mes contours sont reculés. Tu vois, là, regardez. Entre là, j'ai pas mes contours reculés, tu vois. Là, ils sont bien, mes contours. Tu vois, les contours, ils sont pas reculés, tout ça. Mais il y a des fois, frère... Bon, le coiffeur, il floppe un peu. Tu vois. Zéro diff. Les gars, ouais, je regardais, frère. Les gars, j'ai Yaog. Les gars, allez vous faire enculer! J'ai pas de calvitie, frère! Ça creuse pas! Ça ne creuse pas, qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas de calme, hein! Quoi? Force à toi, hein, tu fais quoi? Nizone! Merci pour ton 5 à moi! C'est ça, parce que j'ai beaucoup de points, c'est ça, regarde, je touche mon verre. Putain, faut qu'on aille sur le verre chat! Ah, c'est ça de traîner sur le verre chat! Bonnet plus café! Eh, les gars, qu'est-ce qui nous empêche maintenant de racketter les deux maintenant devant nous là? On leur prend tous, ils ont fait. Qu'est-ce qui nous empêche? On les prend, on les dépouille. Mais en vrai, c'était quand ça? C'était vraiment longtemps. C'est fou quand même, le chat, même après un an, il a pas changé. Bon, les gars, vu vous marcelez, voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Elle est où la calvitie? Elle est où la calvitie? Il y en a pas. Les gars, arrêtez de projeter votre calvitie sur la mienne. J'en ai pas, frère. Regardez. Me retouche, je suis mignon. Bien soigné. Regardez. Hop, voilà. Il n'y a rien, frère. Où elle est la calvitie? Il n'y en a pas, frère. Regardez. Oula, regarde, hop, je recule, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, boum. Dans 2 ans, t'as plus de cheveux. Les mêmes contours que Lewis Hamilton. Alors, je te banne, c'est bon. Alors, toi, il y a des limites quand même. Lewis Hamilton Airline. Ouais, je te banne. Ouais, t'es banni. Oui. Ah bah non, ouais, il était banni. Ah oui. Attends, je te trouve, je vais te bannir. Hop. Ah ouh, non, t'es banni. Ouh, il est banni de ouf. Oh, t'es banni, toi. Les gars, regardez si je recule. Regardez. Vous allez voir, regardez. Parce que en vrai, vous êtes trop des acteurs. Attends, il est où mon élastique? Il est là. Okay. Regarde, si je ma tête en arrière. Hop. Jurez, maintenant il y a un gros front. Jurez, il y a un gros front maintenant. Il y a rien. Vous projetez vos insécurités sur moi et je vous laisserai pas faire. Putain, comment je suis trop beau, frère, c'est une dinguerie. Pardon, désolé, j'étais en train de m'auto-sucer. Mais du coup, il a fait une greffe capillaire, Lewis? Ça creuse. Il n'y a pas, ça creuse pas, frère. Ça creuse pas, t'es un jaloux. On les dépouille, on va vous dépouiller. Là, par contre, de mon coiffeur, il m'avait vraiment reculé mes coins, là. Ta culotte, là. Non, j'ai pas dit ça. Wesh, qui a dit ça? Non, il est pas avec nous, frère. Non, il est pas avec nous du tout. Wow. T'as quel âge? Non, mais c'était... Wesh, allô. Attends. Ouais, non, excuse-moi, attends. Ok. Écoute. Putain, j'ai cru qu'il y avait eu un son. Pardon. Salut Melchior, tu préfères bouffer le pétard à cri. Toujours la même chose avec les TTS, c'est une dinguerie, hein. BLM. Sur ma couille droite, je live, c'est les gars, c'est censure. Melchior live sur la chaîne de Chris pour ceux qui veulent. C'est ça, tu fais? Les gars, s'il dit un truc privé, la vie... C'est moi qui avais ma serviette. Ah, ok. Quand on était à la salle avec Chini et Chris. Et j'en supplie.
Il n'y avait que moi qui avais ma serviette. Ils ont dit, bon bah, Chini, hein, tu vas nous prêter ta serviette, une serviette pour 4. La tête de mort. En plus, Melchior, il s'est pas gêné. Il transpirait, il s'essuyait avec ma serviette, comme ça. Tout ça, nanana, il faisait son petit cardio. Il était tranquille, il mettait ça, ma serviette, sur son épaule. Tout ça, franchement, il... Ah, j'étais à l'aise avec sa serviette, hein. La serviette, elle doit, elle a une odeur, la team. Vaut mieux pas que vous sentiez ça. Hein. Oui, merci, bon, c'est la merci pour les. À votre avis, pourquoi il dit ça, les gars? Pourquoi, à votre avis, il dirait que ma serviette, elle, sa serviette, elle, ma serviette, elle pue. Que la serviette que j'ai utilisée, qu'elle pue. Moi, juste un truc à dire, les gars. Je vais rien dire d'autre. BLM, c'est tout. Crois-moi. Ah. Le reste, ça m'intéresse pas. Juste BLM. Disrespect the five. Disrespect the five. I put your ass in the food chain. Swap. Tell my phone, she say Miss Jackson gone through her brain. Call it. Just outside dancing, moving on Miley, feeling the same. He's coming. Qui a le Discord de Melchior? Ok. Boycotter Melchior. Pourquoi boycotter? Il stream pas, il drôle sur nous. Le grind en question. Bon, alors, ça c'est la même chose, le truc. Je remets cette masterclass que j'avais fait il y a un an sur Reddit. Devant vous, je me dis, mange chaque... Je me coupe les ongles de pied. Et chaque ongle de pied, je vous le fais manger. Je vous le fais le manger avec de, du ketchup. Chaque ongle de pied de mes pieds, de mes doigts et de mes pieds. Ça va. T'inquiète, mon chien mord pas. Mais ça, c'est un chien autiste, là. Ça, c'est un chien autiste, ça. Il est mignon, ce chien, il va rien faire. Bon, bref, les gars, rejoignez Reddit. Continuez à poster. Merci à ceux qui ont posté. Vous faites vivre la communauté, c'est bien. Ok.